Une vie, une émission spéciale de Jean-Marie Roussière sur Radio Fidélité avec un, un invité spécial, Michel Monnier. Michel Monnier, le passeur d'histoire et le bâtisseur de spectacles. Michel Monnier, bonjour. Bonjour. Alors, Michel Monnier, bon, on peut le résumer comme un homme ordinaire qui fait des choses extraordinaires. Un passeur, un bâtisseur. Michel Monnier, 1949, ça vous paraît. Ah, ben, bah ça me paraît la date de ma naissance. Ah, c'est ça. C'est ça. Vous êtes né au printemps à Trans-sur-Erdre, euh, en pleine campagne. Ah oui. euh, vos parents étaient campagnards, agriculteurs. Ils étaient agriculteurs, une toute petite exploitation. Oui, et donc vous avez vécu dans, dans cette ambiance euh, champêtre. Vous étiez un enfant sage, un, un garnement À la limite du garnement. Ah oui, et la limite était franchie de temps en temps pour les bonnes choses, simplement. C'est ça, oui, oui. Un adolescent dissipé, peut-être aussi, euh, créatif déjà Oui, ça a commencé à l'âge de 8 ans. Ah oui, c'est très précoce. Ça. Euh, en même temps rêveur, peut-être. Ah, êtes... oh, beaucoup Oui, euh, vous paraissez un homme assez romantique. Euh, voilà. Euh, la, peut-être l'adolescence sans frontières aussi, qui s'évade, qui s'échappe. Un peu, mais avec toujours des règles. Oui. Les règles que vous vous êtes fixées vous-même Non, ce sont, je pense, euh, mes parents. Mes parents m'ont donné une éducation et ma mère en particulier m'a toujours invitée à, à me porter à, vers les autres. C'est beau. Et vous étiez plusieurs dans la famille Non. Tout hein seul. Ah oui, donc on pouvait s'occuper de vous largement hein. Non, on me, on me mettait toujours euh, tout, pendant toutes les vacances, les cousins et les cousines à la maison, de oui. façon que je ne sois pas seul. C'était mieux. Mais le fait d'avoir été seul, c'est sans doute ça qui m'a porté à, à chercher à avoir une très grande famille. Mmh. Et donc après vous, vous êtes allé au collège Saint Michel à Nors-sur-Erde À Nors-sur-Erde, oui. Je suis rentré tardivement. C'est-à-dire En classe de cinquième. Parce que bah parce que. Vous avez sauté des classes Oui, j'ai sauté la sixième, j'ai sauté la quatrième. Parce que mes parents ne souhaitaient pas forcément. il y avait dans dans leur idée que je puisse rester à la ferme, donc euh, voilà, passer le certificat d'études, je restais mmh. à la maison. Mmh. Donc ça a été un choix difficile pour eux, difficile. Mmh. Et vous avez travaillé avec vos parents à la ferme aussi. Oui, tous les étés. Oui. Bah j'étais, ils n'étaient que tous les deux, donc euh, dès que j'avais du temps, je venais travailler à la ferme. Ouais, ça les rassurait un petit peu peut-être aussi. Ça leur faisait plaisir, oui, de m'avoir pendant l'été surtout. Alors, 1972, bien, c'est un gros changement. C'est le lycée agricole de Briassé. Alors Briassé, c'est dans le vignoble nantais. Hein oui. Euh, voilà, c'est tout près de, de Nantes. Alors, Briassé, donc il y a le beau château, il y a le parc, il y a la nature. C'est quelque chose de magnifique. Vous pouvez nous parler un petit peu de tout ça. Alors, je suis allé à Briassé pour faire, je pense, plaisir à mon père, parce que mon père pensait toujours pouvoir me récupérer à la ferme, et donc euh, j'ai préparé un, un brevet de technicien agricole. Et j'y suis allé parce qu'il y avait un aumônier, c'était l'abbé Paul Guillette. Et il a, été, il a beaucoup compté dans ma vie. Et donc, euh, comme il était aumônier là-bas, j'ai rejoint l'établissement. Euh, Briassé, c'est l'époque des copains. Mmh. C'est l'époque aussi où s'est euh, euh, dessiné un petit peu la, la, mon avenir, parce que j'ai rencontré deux enseignants qui étaient extraordinaires l'un sur euh, la biologie et. Et, et l'écologie, déjà. Déjà ah Oui, mmh. et mmh. l'autre sur l'histoire. On est en avance. Oui, <laughs> l'histoire. L'histoire. Et, et j'aurais dû j'aurais dû prendre mon orientation en terminale, sûrement en histoire, mais bon, euh, mes copains allaient en sciences, alors euh, j'ai mmh. suivi à l'Université de Nantes. Euh, Qu'est-ce qui vous plaisait dans l'histoire Tout. Tout. Oui. oui. Euh, je pense que on, se, on se bâtit le présent avec le passé. Il faut voir un petit peu ce qui s'est passé avant. Il y a eu des choses bien, des choses moins bien. Mais... Pour, le ah oui, pour le présent. Oui, pour le présent. Et pour le futur aussi. <laughs> et oui. Alors, euh, 1972 aussi, c'est votre mariage. Ah oui. Ah. ah. oui. Alors, en plus de ça, donc, je ne sais pas si je dois le dire, mais euh, j'ai connu ma femme très tôt. Elle avait 12 ans. Ah oui. Et j'avais 14 ans. Ah quand même. Et j'ai toujours la même. Oui, ben c'est. Presque 50 ans après, quoi. C'est beau, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Comment, comment vous vous êtes rencontrés C'est indiscret <laughs> Non, mais elle avait, elle avait une copine qui était en fin de compte une cousine à moi, donc oui. euh, je ne me suis pas fatigué. Hein. Ah euh, oui <laughs> J'ai <j> choisi. <laughs> ah, bon Parce qu'on se fatigue dans les rencontres. Ah mais je ne sais pas, mais ça s'est fait tout naturellement, mmh. avec euh, dès le départ le projet de, de se marier, quoi. Ouais. Dès le départ. Ah, dites donc, c'est quelque chose. Hein. Oui, voilà. Et bien, en plus de ça, nos, euh, sa maman et, et ma maman étaient, étaient voisines et, et copines. Donc, vous voyez, j'ai été présenté à la famille, euh, j'avais trois mois. Ah bon À la famille de ma femme, oui, trois mois. Oui. Bah, dites donc, mais... Ah bah oui, c'est, ça commence très tôt. Hein. Ah oui, vous êtes précoce, <laughs> monsieur Michel Moignet. Euh, avec deux enfants Deux enfants, oui, deux enfants et... Et Marie, et Marie et David, et David hein. très, des, oui. des noms très bibliques. Hein. Oui, oui, oui. Après, donc, euh, bah, c'est beau ce que vous nous racontez quand même. Euh, c'est rare, on peut bah, dire. Pareil oui, pareil, oui. Oui, 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 euh, à... J'ai eu, eu la chance qu'elle me supporte depuis ce, ce temps-là, cet âge-là. Hein, donc, euh, elle a beaucoup de mérite. Elle supporte encore euh, Oui, elle a beaucoup de mérite. Oui. Et c'est résignée peut-être, non, <laughs> non. Non. Non, mais euh, je l'écoute. Oui, de temps en temps je l'entends. C'est ça. Alors après, c'est la fac de la... sciences à Nantes, hein, oui. la, la maîtrise en, éc... en écologie. Ça vous a apporté quelque chose ça Alors à, euh, avant la fac, il euh, bon, y a une chose qu'il faut savoir, c'est que bon, mes parents ne pouvaient pas me payer mes études. Donc euh, j'étais obligé de prendre des, des, des aides qu'il fallait rembourser en temps. Donc mmh. euh, je me destinais à être enseignant. Mmh. Et euh, j'ai pris donc en même temps un poste de surveillant d'internat. Saint-Jean-Baptiste de la Salle à l'ETS, qui était tout près de tout près de l'université. Ouais, ouais. Et ça a été important pour moi parce que ça m'a formé à, à, à mon futur métier d'enseignant. C'est-à-dire que ça m'a permis de régler mes problèmes de discipline. Vous parlez de surveillant là Oui, surveillant. J'étais surveillant quatre ans. Oui. Et ça consistait en quoi ça, ça... Surveillant d'internat le soir. Oui. Ça, ça vous a, euh, disons, euh, permis de connaître les autres davantage. Oui. Et surtout, j'avais pas de message à faire passer. Simplement. Être là. Ah. Alors, on arrive au 1er juillet. Et c'est la fête. <laughs> la grande fête. Euh, le mariage. Et donc, puis, euh, les deux enfants, Marie et David. Vous êtes enseignant euh, à Briassé, biologie, euh, euh, écologie... Et le 1er août 1968, eh bien, c'est une belle rencontre. 72. 72, oui. exactement, oui. oui. Euh, J'anticipe, parce que comme vous êtes précoce, évidemment, <laughs> c'est la rencontre avec Monsieur le curé. Monsieur oui. le curé qui vous demande de restaurer un vieux pont. Alors là, euh, franchement, il n'y a pas d'hésitation. Ah non, aucune. Bon, c'était un mois après notre mariage, mais vous savez, dans... Dans, les, dans un mariage, les premiers mois sont les plus jolis. Donc, euh, ça tombait bien. Monsieur le curé est intervenu au bon moment. Euh, ma femme ne pouvait pas refuser. Mais elle ne savait pas que cet engagement, euh, 50 ah, oui. ans après, bientôt 50 ans après, mmh. serait toujours là. Donc, euh, le curé, l'abbé Gautier, donc, euh, qui était en même temps un, un très bon bricoleur, me dit... Euh, C'était le curé du village. Le hein. curé du village, oui. Il euh, y, y a un, un vieux pont. C'est vrai qu'il était pris sous les... Sous les arbres, sous les ronces, et ce pont avait une particularité, c'est qu'il était sur le terrain de mes parents, donc euh, ça facilitait les choses. Et tous les deux, on est allés à la ferme et puis on a pris des haches, on a pris des serpes et des fossiles, et puis on s'est mis tous les deux donc à défricher. Euh, le maire de la commune, qui était quelqu'un qui voilà que je connaissais très bien, nous a envoyé l'année suivante parce que ça a duré 4 ans la rénovation. Mmh. L'année suivante, les employés communaux. 4 ans à deux. À deux, attendez, au départ. Euh, euh, on était deux, et puis ensuite les employés communaux, donc deux qui venaient. À l'époque, c'était, il n'y avait pas de mobilette, il n'y avait rien, c'était le vélo. Hein, donc ils venaient nous rejoindre mmh. pour nous donner un coup de main. Et euh, progressivement, les, les gens de la commune bah, se sont dit, qu'est-ce qu'ils font et Donc euh, ils, sont, ils sont venus et, comme, on, comme dit la chanson, ils, ils sont tous là, voilà. Et on était une trentaine au bout de quatre ans. Ah oui, c'est beau ça. Oui, une trentaine. Et donc euh, bah, le pont, euh, voilà, on a. À l'époque, euh, M. le curé, parce qu'on n'avait pas d'association, hein, avait pris dans les caisses de la paroisse pour payer le ciment. Ah, oui. oui. Donc il me dit un jour, il me dit, écoute Michel, il faudrait qu'on rembourse. Hein, ce serait bien parce que je pense que l'évêché ne supportera pas donc, euh, cet achat de ciment. Mm -hmm. <laughs> donc on a fait une petite fête en 1976 mm -hmm. avec tous les gens de la commune et euh, on a pu rembourser le ciment. Et puis ensuite, bah, cette petite fête, elle a grandi. Elle a duré. Après, on va revenir à, à Briassé. Euh, donc, il y a ce, ce pont. Il, il, monsieur le curé avait un objectif déjà pour, avec ce pont Oui, l'objectif de, de pouvoir donc dynamiser sa paroisse. Oui. Voilà, c'est ça. Occuper les gens euh... Oui, puis leur permettre. Parce qu'il ne faut, faut pas oublier que dans les années 70 puisque le Transurard, c'est le, le monde agricole, mmh. euh, ce monde agricole était en pleine mutation. C'est-à-dire que on passait d'une agriculture de petites exploitations mmh. à une agriculture qui était plus intensive. Mmh. Mais il serait gras à l'époque. Ouais. Voilà. Et donc, euh, les gens étaient un peu déstabilisés sur le plan social. Et c'était un moyen de, de rassembler tout. Le monde. Mmh. Alors, j'en reviens maintenant à Briassé, dans euh, ce, ce beau château, euh, dans la verdure, mais aussi avec euh, un engagement total pour vous, c'est-à-dire... Euh, des voyages, beaucoup de voyages, avec vos élèves, autofinancés, euh, à 100%. Ouais. Voilà, voilà. C'est-à-dire, précisément. C'est-à-dire que pour moi, dans l'enseignement, il y a, y a d'abord, on transmet des idées, on est passeur d'idées, mais on doit être aussi formateur d'hommes. Et formateur d'hommes, ça veut dire euh, que les jeunes doivent se prendre en charge et non pas euh, toujours être à la charge de leurs parents. Je ne me voyais pas demander aux parents de faire un chèque pour partir à l'étranger, même très loin. Mmh. Mmh. Donc, pour moi, le, le voyage n'était pas important. Ce qui était important, c'est tout le travail que l'on faisait autour mmh. pour financer ce projet. Et c'est vrai que Mais sur 27 voyages, mmh. euh, les parents n'ont jamais donné un seul centime, même pas pour le passeport. Et euh, on allait même, quand je voyais que dans la classe, il y avait des familles en difficulté, on finançait aussi l'argent de poche. Mais on, tout financé, le monde. on finançait avec quoi ah ben, toutes sortes de choses. <laughs> Je mire. vais vous raconter une chose. Un jour, ils me disent, euh, on va semer des colocantes. Des quoi Des colocantes. Les colocantes, c'est un fruit d'automne euh, très décoratif. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai acheté les graines. Ils ont semé ça chez leurs parents. Mm -hmm. Et euh, au mois de septembre, l'année suivante, en terminale, ils sont revenus avec une tonne cinq de colocantes. Hop là. Ah, Et oui. Et, et donc, ils se sont mis à les vendre. Mm -hmm. Voilà. C'est tout. Mm -hmm. C'est beau. Tout non, ça. Non, mais si, c'est très humain. c'est... Voilà. Former des hommes, d'abord ça. Oui. Vous avez toujours eu ça dans votre nature. Toujours. C'est beau. Ouais. Ouais. Un passeur. <laughs> Je... Passeur d'énergie. Oui, sûrement. Oui, passeur d'amitié. Oui. Oui. Alors, on, on arrive en 78, 1978 avec une première grande fête, les Noces à l'Ancienne, de la démesure... Et oui, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire simplement une petite kermesse euh, comme on a fait au départ. Alors, toujours au pont, hein. Toujours au pont. Et euh, là, donc, euh, j'avais demandé à tous les gens de la commune de venir dans la salle paroissiale et euh, j'aurais proposé de, de venir avec leur plus vieux costume. Donc, ils ont cherché dans les armoires, tous sont venus avec leurs plus beaux costumes et chacun rigolait du voisin parce que <laughs> voilà, ça changeait. Quoi. Ils n'avaient jamais vu ça. Ah non! Ah oui. Et on a fait un défilé à partir de la ferme de mes parents jusqu'à ouais. jusqu ce pont. Mmh. Et, et bien on a fait cette noce à l'ancienne pendant 4-5 ans. Mmh. Ça permettait à des gens de, de découvrir le pont, de découvrir l'endroit mmh. et de leur faire partager pour moi ce lieu qui a toujours été un lieu magique. Mmh. Et, et c'était gratuit les fêtes là Oui, c'était gratuit bien sûr. Ah oui, et vous arriviez à combien de personnes On est arrivé sur euh, les dernières années, en vous de 5 à 6 000 personnes, oui. Ah, et ça consistait en quoi quand même On ne pouvait pas, on n'était pas là à rien faire euh... Non, il y avait un grand défilé. Le, donc le défilé, il y avait à peu près un kilomètre, donc voilà, oui, on, oui. on s'habillait à la ferme des parents. Oui. Et puis ensuite, euh, on arrivait sur le terrain, il y avait donc un, un mariage civil, si vous voulez, qui oui. était fait avec, on avait fictif, un, mer, un Fictif, fictif. Cur... Oui. oui, fictif, voilà. Mère, mmh, mmh. curé, enfin bref, tout le monde. Et ensuite, il y avait un grand repas. On servait jusqu'à 1700 repas, donc dans la soirée. Et pour faire cuire, c'était un pot-au-feu. Ça, c'était payant. Oui, ça, c'était payant, oui. Et pour faire cuire, donc euh, il y avait de très grandes lessiveuses en fonte. là. On en avait une douzaine, et donc c'était rempli. Mmh. Voilà. Les conditions sanitaires, c'était sans doute un peu juste à l'époque. Une, ben, folie, une folie. Une folie de plus. Oui, d'autant que j'ai cru comprendre que, forcément, avec le pot-au-feu, il faut que ça s'arrose. Euh, qu'il y avait 11 barils de 225 oui. litres. Oui, c'est juste. Oui, c'est juste. La dernière année, c'est ce qu'il y avait eu. C'était déclaré à la gendarmerie. Euh, non, mais ça, il y avait un certain nombre de gens qui ne, parce que il y a un couteau pour repartir, donc qui ne pouvaient pas repartir par le coteau. quoi. Ils dormaient sur place. Ah oui. Et le lendemain, ils donnaient un coup de main pour déménager. Mmh, c'est ça mmh. l'avantage. Tout est organisé déjà avant les, les grands spectacles. Voilà. Hein. Oh, justement, on va en parler du, du premier spectacle, du vrai spectacle, parce que. Euh, Michel Moignet, vous, le, le passeur d'histoire, le bâtisseur de spectacles, ça mijotait déjà tout ça. Il hein n'y avait pas que le pot-au-feu, il hein y avait après. Alors, ce premier spectacle, François 1 Voilà. Euh, en réalité, en terminale, j'ai loupé mon orientation parce que j'étais passionné d'histoire et puis je me suis retrouvé en science. Donc, c'est ce que j'ai toujours dit à mes élèves. Même si à un moment donné, vous ne pouvez pas faire ce que vous pensez, Mmh. Dans la vie, il faut toujours avoir dans votre tête cette mmh. idée-là. Et pour moi, à travers ces spectacles, par travers François Ier et puis tous ceux qui mmh. ont suivi, mmh. c'était une façon de vivre ma passion pour l'histoire, mmh. de la faire partager aux autres. Mmh. C'est vous qui avez trouvé l'idée, François Ier oui. Ah oui. Comment ça s'est trouvé Toujours. Mmh. Pour moi, c'était la Renaissance. Et la Renaissance a été un moment très mmh. important. Mmh. en France très très important c'était mmh. l'arrivée donc des italiens hein, donc d'autres aussi d'autres en France et et euh, c'était ce qu'on appelle un grand homme mmh. il était grand mmh. par la taille mais il était grand aussi par euh, mmh. par sa façon donc de, de travailler avec euh, avec le peuple alors, évidemment, il euh, y a le, le pont, ce, ce beau pont qui le Romain, c'est ça Voilà. Ouais, voilà, ce sera En pleine nature, mais il faut des spectateurs, donc il faut des gradins, il faut toute l'organisation, il faut son et lumière, euh, euh, et puis il faut, il faut aussi du monde pour, mmh. euh, pour aider, pour euh, organiser. Alors, donc, euh, les... ça a démarré quand même très lentement, c'est-à-dire qu'au départ, euh, on n'avait pas de gradins, donc euh, Voilà. Les gens étaient assis ou debout. Et puis ensuite, euh, on a donc loué des gradins. Et ce qu'il faut dire, c'est que dans le monde rural, quand on travaille avec eux, il ne faut pas les bousculer. Mmh. Il faut rester simple. Il faut rester à leur portée mmh. et aller progressivement. Et il a fallu attendre 1988 et la Révolution française mmh. pour mmh. voir le spectacle prendre une allure plus professionnelle. Mmh. Mmh. Et à l'association... Qui a été créée, l'association Transmission. Euh, D'ailleurs, avec le mot trans de transférer, les missions, ouais. on avait une mission. Enfin, dans ma tête, il y avait une mission ouais. derrière. Et donc, euh, euh, progressivement, on est arrivé donc, à 150, 200 personnes qui ont participé. Pour un spectacle. Pour un spectacle, et puis après, des professionnels nous ont rejoints, mmh. parce qu'on ne pouvait pas faire tout nous-mêmes. Et hein. des pros-bénévoles ou payés ou... Euh, Commencer à être rémunérés, oui, c'est ça. Donc, ah. euh, en, en réalité, euh, avec ce genre de spectacle, on ne gagne pas d'argent. Mmh. Mmh. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but, mais euh, si on veut progresser, il y, y a toujours des moments difficiles. Hein. C'est de ne pas en perdre, surtout. Voilà. Oui, oui. Alors, la Révolution française, c'est 1988. Est-ce que, est -ce que vraiment, là, on saute une étape oui, c'est-à-dire que ça devient, enfin excusez-moi, mais ça devient plus propre, c'est-à-dire plus travaillé. Oui. Bon. J'ai eu la chance de, de rencontrer un, un jeune qui était passionné aussi d'histoire, qui était un, un écrivain, qui aimait beaucoup écrire, qui s'appelle Olivier Join. Mm. Et Olivier donc euh, était originaire de Mouffes-sur-Loire, puisque que j'habite à Mouffes-sur-Loire maintenant. Mm. Je suis allé en mairie avec son papa, papa mm. était maire, moi j'étais adjoint. Mm. Donc euh, cette famille m'a beaucoup aidé pour... Euh, pour avancer dans le spectacle. Ouais. Euh, on sent, hein, Michel monnier, vous, le passeur d'histoire et le bâtisseur de spectacle que vous l'aimez, votre France. Ah, beaucoup. Oui. Elle elle nous... Comment dire Nous parle beaucoup. Et elle chante aussi l'ombre et la lumière. Hein. Oui. C'est ça. Voilà. Euh, la... On a de la chance de vivre dans cette France. Oui, c'est beau. De plaines en forêt, de vallons en collines, Du printemps qui va naître à tes mortes saisons De ce que j'ai vécu à ce que j'imagine Je n'en finirai pas d'écrire ta chanson Ma France Au grand soleil d'été qui courbe la Provence Déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche. Quelque chose dans l'air à cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France, cette air de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige dont vous usurpez aujourd'hui le prestige Elle répond toujours du nom de Robespierre Ma France C'est Celle du vieil Hugo tenant de son exil Des enfants de cinq ans travaillant dans les mines Celle qui construisit de ses mains vos usines Celle dont Monsieur Thiers a dit la fusille ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette. Des lèvres des luards s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe. Ma France, leur voix se multiplie à n'en plus faire aucune. Qu celle qui fait toujours vos crimes, vos erreurs. En remplissant l'histoire et ses fausses communes, que je chante à jamais celle des travailleurs. Ma France... Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches Pour la lutte obstinée de ce temps quotidien Du journal que l'on vend le matin d'un dimanche À l'affiche qu'on colle au mur du lendemain Ma France Qu'elle monte des mines, descende des collines celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir, serré dans ses mains fines. Celle de 36 à 68 chandelles. Ma France. Un jour, une vie, une émission spéciale sur Radio Fidélité avec un invité spécial, Michel Monnier. Michel Monnier, passeur d'histoire et bâtisseur de spectacles, Ma France, Michel Monnier. Et un nouveau spectacle avec Napoléon. Oui, après la, la Révolution française, donc, euh, on a fait Napoléon. C'était un peu une suite logique, mais c'était aussi, sur le plan pratique, oui. la possibilité de récupérer les costumes et donc d'avoir moins de moins d'argent de, de, à dépenser pour oui, la création ça. quoi et ce, je pense que ce spectacle a été a été plus achevé déjà que la révolution française ouais. et parce que ce qu'il faut dire c'est c'est que en même temps qu'on faisait les spectacles on découvrait aussi le monde du spectacle ouais. et euh, il fallait aller vers la qualité mais financièrement on en avait au départ pas les moyens mmh. donc euh, il fallait faire avec ce que l'on a et surtout, et surtout, il y avait une chose importante, c'est que à partir de 85-86, on a donc commencé le côté social de l'association. Avec, on a engagé beaucoup de tucs, on a engagé des contrats PLIF, mmh. aidé donc des, des personnes, des jeunes en difficulté. Et c'est avec eux qu'on a bâti ce spectacle de Napoléon. Mmh. Avec quand même des, des nouvelles des découvertes et puis des nouvelles créations, les décors qui, qui se déplient, tout ça. Déjà, déjà on a eu une approche de, de ce qui va arriver. La, la vie de l'association a toujours été faite de rencontres. Et dans le cas présent, il y a eu une rencontre. Euh, il y avait une directrice qui a été nommée à transférer de l'école et qui dans ses valises a amené son mari qui, lui, était chef décorateur mmh. avec Jérôme Savary, le Grand ah, magique oui. Circus. Mmh, voilà. d accord, d accord. Donc, il nous a appris à faire des décors, des décors en bois. Mais c'était déjà quelque chose de bien pour... Euh, pour euh, Napoléon, donc mmh. on avait des systèmes de décors tournants, on avait des, des mmh. systèmes de décors qui se repliaient, mais toujours en bois. Donc mmh. c'était un peu fragile. Mais ça nous a donné l'idée mmh. d'améliorer notre spectacle mmh. parce que euh, on peut jamais dire on, on a un bon spectacle. On a un spectacle, mais toujours il faut améliorer. Il faut aller plus loin. Il faut que on prend encore plus de plaisir à voir ce spectacle. Mmh. Alors évidemment, donc là après, euh, on a eu Napoléon, on a Jules César. C'est des décors déjà qui, qui sont gigantesques. Voilà. mais 1996 est une date très importante puisque ça a été la création de oui. deux chantiers d'insertion avec une association d'enseignes qui s'appelait à l'époque la caste, qui est devenue maintenant Erdre Loire Initiative. Mmh. Et euh, on n'aurait jamais pu créer Jules César s'il si n'y avait pas eu donc euh, euh, la création de ces deux chantiers. Parce qu'il y a un chantier qui s'occupait des décors et un autre chantier qui s'occupait des costumes. Mmh. Et ça a été pour nous donc euh, un, un démarrage fulgurant. Mmh. De... Ouais. 2006, ça vous a beaucoup marqué parce que c'était un, un spectacle inédit. Euh, vraiment. Euh, Comment dire, c'était interactif, c'était, mais ça a été très difficile à le construire, ce spectacle, avec beaucoup de réflexion, puis aussi quelques tensions. Et oui, oui, parce que en même temps, 96 a été une date importante puisque on a, on a acheté, on a racheté une entreprise. Mmh. Voilà, on n'avait pas, on n'avait pas d'argent, <laughs> très peu, et. Cette entreprise nous louait déjà le matériel et donc quand le chef d'entreprise nous a dit ben voilà euh, je vais être obligé de déposer le bilan mmh. on s'est dit voilà qu'est-ce qu'on peut faire et, et ben on a dit bon quoi, quoi. Mmh. on va on va racheter l'entreprise et dans ces cas-là on s'adresse à la banque mmh. ah quand même bah ben, oui comment ça on s'adresse à la banque expliquez-nous <laughs> un petit peu mais oui parce qu'il fallait faire un prêt quoi mais qui s'adresse à la banque ben moi c'est-à-dire ben c'est-à-dire que vous me poussez dans mes retranchements, là. Bah c'est fait pour Et Bah oui, vous savez, quand vous faites un prêt, il faut une garantie. Et donc. Euh... C'était quoi la garantie Ma maison. Vous avez hypothéqué votre maison C'est exact. Pour monter un spectacle Oui. Mais c'est une folie Peut-être. Une de plus. Mm -hmm. Non, mais ma femme m'a pas renvoyé. C'était déjà une belle chose. Hein. C'est beau. Oui, oui. Et donc, euh, ça a été. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas de. Pour moi, de gros risques, dans la mesure. On a revendu une partie du matériel mmh. et ça nous a permis de nous équiper. Mmh. Et puis, euh, à l'époque, un euh, Paradis Paris 10, nous a fait construire une exposition mmh. qui faisait à peu près 300 mètres de long, donc avec le chantier insertion. Oui. On, on s'est déplacé dans, dans l'antre de Paris 10. Oui, mais avouez quand même que hypothéquer sa maison, c'est exceptionnel. Non, quand on y croit, il n'y a pas de problème. C'est normal mmh. jour, une vie sur Radio Fidélité avec comme invité spécial Michel monnier Michel monnier le passeur d'histoire et, et surtout le bâtisseur de spectacles. Nous, voici, nous voilà en 2015. 2015, alors vraiment, c'est le, le top du top puisque ben, c'est un peu à la à Robert Hossein dans La Nuit Liberté. Alors, c'est le grand spectacle, qui a eu cette idée Il a fallu combien de temps pour le créer, pour le penser, pour la mise en scène, pour, euh, pour tout Alors, vous avez, vous avez oublié la date la plus importante Oui. C'était le spectacle après Jules César. Ah. <laughs> le spectacle, un homme nommé Jésus. Ah bah oui, oui. un homme nommé, oh, j'allais l'oublier. Oh. Pour moi, c'était le spectacle que, le plus important. Que Jésus me pardonne. Ah <laughs> oui mais non, pour moi, ça a été vraiment le spectacle le, oui. le plus important parce que, bon, euh, je suis chrétien oui. et pratiquant, voilà, j'ai vais pouvoir m'en cacher. Et pour moi, donc, euh, j'ai toujours eu une parabole qui m'a beaucoup, beaucoup fait marqué. réfléchir, marqué, mmh. mmh. c'est mmh. la parabole des talents. C'est-à-dire ben Les talents, on peut en avoir, je dis pas que j'en ai, mais bon, <laughs> on peut les enfouir. Mmh. On peut les faire fructifier. Oui. Donc, euh, pour moi, c'était un appel. Un appel, donc, à. à je, je pense à. À mettre. À mettre en, en lumière, donc. Euh, oui. Cet homme exceptionnel. Vous, vous êtes considéré un petit peu comme un messager Non. Mais allez, bon, allez. Des fois. Mais pour moi, c'est le spectacle qui a marqué ma vie. Oui. Il était difficile ce spectacle, Difficile, oui. très difficile, oui, à puisque faire. la moitié du conseil d'administration a, a démissionné. Quand mmh. j'ai proposé ce spectacle, puisque j'ai eu la chance de toujours proposer les spectacles, hein, toujours. Mmh, mmh. Et donc, euh, euh, bon, voilà. Et puis en plus, il y avait de la réticence. Hein. Il y, oui. y a des gens qui voulaient pas le faire. Y a des gens... Ça vous a découragé Non, du tout. Non. non. Non, parce que je savais qu'il était avec moi. Ah oui. Ah ben oui. Et oui, j'avais oublié aussi. <laughs> il Évidemment. a toujours été là, oui. Évidemment, ouais, ouais parce que même même pendant les spectacles je, je lui disais on travaille pour toi ouais euh, si possible fais en sorte qu'il pleuve pas quoi ah. qu'on est en plein air et donc euh, tout est pensé je pense qu'il m'a écouté plus oui, oui. vous appelez le ciel déjà <laughs> voilà ben oui y compris la météo en fait. <laughs> oui, voilà mmh. donc euh, non c'était pour moi c'était le, le spectacle alors vous avez pu remarquer ça s'appelait donc un homme nommé jésus oui ça a été un spectacle, un des plus gros spectacles de Robert Hossein. Mm. Robert Hossein, pour en parler, puisqu'il est décédé, mm. hein, et voilà, ben, plus de temps, pour moi, ça a été mon maître. Ça a été vraiment mon maître. Mm. Je l'ai rencontré plusieurs fois, et dont une fois, j'étais à côté de lui, hein, un homme de mes Jésus, il était à côté de moi, hein, voilà, pour voir son spectacle. Mm. Et sa façon de travailler, et pour moi, c'était d'abord euh, travailler avec l'homme mm. et le mettre en avant. Pas lui, c'est pas lui qui se mettait en avant, c'était l'homme. Mm. Le, celui qui était sur la scène. Et donc. Euh... C'était un passeur d'émotion, le l'histoire oui, d'histoire. Voilà. 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 Donc, euh, voilà. Je pense que ce spectacle, ça a été vraiment le premier spectacle mmh. où j'ai travaillé à la hausse. Mmh. Mais pas comme lui, parce que lui, il travaille. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Mmh. C'est un grand monsieur. Un grand, un très grand monsieur. Mmh. Humble. Oui. Coléreux. Oui, moi, je ne suis pas coléreux. Non. Non, non, je préfère supporter. Mmh. Dans la nuit, liberté, justement. C'est pareil. C'est ouais, pareil, c'était Osseyn. C'est scène. Hein est au scène et ça s'appelait Dans la nuit, la liberté chez lui. D'ailleurs, on l'avait appelé au départ Dans la nuit, la liberté. Il m'a appelé en disant vous pourriez pas faire évoluer le titre parce mmh. que ça me gêne un peu parce que c'est moi qui ai choisi ce Mmh. Ce titre-là, donc euh, je lui ai proposé dans la nuit Liberté, mais ouais. il n'y a pas de problème. Ouais, ça s'est bien arrangé. Quoi. Très bien arrangé, mmh. toujours avec lui. Alors, c'est quelque chose d'immense. Alors, il euh, y a sûrement beaucoup d'auditeurs qui ont été voir ce, ce grand spectacle qui va encore être représenté. Une aire scénique de, de plusieurs hectares, alors une cathédrale, une vraie cathédrale, un, un tank, un clocher de 18 mètres de haut euh, qui est escamotable, un train à vapeur, un train à vapeur, mais c'est gigantesque. Euh, Là, c'est quand même le, le, le summum du, du spectacle. Euh, depuis, puisque ça va faire 50 ans donc, euh, que l'on travaille à, à transfurer, à la transmission, et oui. il faut toujours progresser. Il ne faut pas jamais se dire, ben voilà, on est arrivé au bout. Non, non, non. Mmh. Toujours cette notion mmh. de se dépasser. Mmh. Et euh, avec ce spectacle, c'est vrai, euh, je pense qu'on s'est dépassé. D'une part, on, a, on avait quand même des soutiens qui étaient importants. Mmh. Puisque on a, il faut dire que nos spectacles ont été sauvés à partir de 2006 par la loi sur le mécénat qui date de 2002, la loi Yagon. On a commencé à faire du mécénat en 2006 et on a actuellement une centaine d'entreprises qui nous soutiennent. Et c'est grâce à ces entreprises que on a pu monter ce dernier spectacle. Par exemple, le, la Ferraille, donc c'est une entreprise danceny qui a fourni la Ferraille, mmh. le chantier d'insertion Erre de loi initiative, les, les gars donc euh, ont assemblé la mmh. Ferraille. Mmh. Et en particulier, deux gars qui ne savaient pas donc, souder, qui ont appris à souder et mmh, qui, après, et ont trouvé donc, un travail en entreprise. Ça, c'est important. Oui, mais il y a aussi des, des nouveautés. Il euh, y a eu des véhicules anciens, 40 véhicules anciens. Oui. Et puis aussi un budget énorme, un million d'euros. Oui, voilà. Mais donc. vous les trouvez où, c'est Il y a des fois que je ne sais pas d'où ils viennent. Vous, vous télé <laughs> téléphonez là-haut <laughs> oui, Non, mais, non, mais je, je rends hommage à tous les gens qui me supportent. Mmh. en particulier au niveau des entreprises mmh. au niveau des administrations ils, mmh. ils se sont retenus je pense de me mettre à la porte oui, ils ont bien fait mais je rentre par la fenêtre ah bon, <laughs> on saura tout dites-moi Michel Moignet et vous le, le passeur d'histoire et le bâtisseur de spectacle, il y, y a un domaine qu'on n'a pas abordé, ce sont les, les rencontres euh, entre personnes, les, les mariages qui se oui. sont faits on ne surveille pas les coulisses. Non. Mais vous savez que quand vous faites un spectacle, il y a, il y a des, temps, des temps où on n'est ne, on pas sur la scène. Mmh. Donc il faut bien s'occuper. Vous avez fait beaucoup de mariages Oh oui. Oh oui. Ils, je... se ils se font sur... sur, sur ah non, spectacle. ils ne se font pas sur place, mais ils se sont La rencontre... Il faut dire une chose, c'est que les... mes élèves m'ont suivi. Ils m'ont oui. suivi, ils ont voulu... Ils ont, souvent en classe de première, ils me demandaient ce que je faisais et ils me demandaient s'ils pouvaient venir donner un coup de main. Donc ils ont donné un coup de main et puis ils ont fait le spectacle. Et certains sont restés une vingtaine à peu près. Mmh. Le président de l'association actuellement est un ancien élève, le vice-président aussi, mmh. le trésorier aussi. Et j'en ai une dizaine dans le conseil d'administration. Ils ont entre 30 maintenant, 30 et 45 ans. Et c'est ce l'avenir de l'association. Et c'est transmettre. C'est ça qui est important. Transmission. Et transmission, toujours. Oui. <laughs> euh, Dites-moi euh, une dernière chose. Il faut combien de temps pour réaliser un spectacle Trois ans. Trois ans mmh. Mmh. Un jour, une vie, avec comme invité Michel Moignet. Michel Moignet, de transur qui est passeur d'histoire et bâtisseur de spectacles. Alors, il euh, y a cette association qui a été créée, Transmission, euh, depuis 50 ans. Il euh, y a des objectifs. Il euh, y a l'objectif culturel, alors. Alors, l'objectif culturel, c'est d'abord de, de, de faire rentrer la culture dans le monde rural. Parce que... On... On pense souvent que le monde rural est un peu éloigné, ou était éloigné de, 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 de cet aspect culturel. Ignorant hmm, Pas ignorant. Au départ, voilà, voilà, 30 ou 40 ans, oui. Mmh. Maintenant, moins, beaucoup moins. Mmh. Mais donc, il y a. Faire passer la culture, donc, euh, au niveau des, des gens qui ne sont pas habitués, donc, à, mmh. à aller dans ce domaine. Mmh. Ça, c'est important. C'est-à-dire, c'est une culture populaire. Et c'est pour cela que je m'appuie, c'est vrai, sur M. Hossein, qui, lui, a créé. Dès le départ, a cru mmh. à ce théâtre populaire. Mmh. Donc, euh, ça, c'est la première chose. Transmission voilà alors il y a l'objectif social qui est très ah, important chez vous hein, oui. euh, unique presque vu la, le, le nombre de personnes qui sont aidées et qui aident aussi puisque c'est un échange tout voilà. ça donc euh, ça a été les, donc, comme je l'ai dit au départ les contrats euh, aidés du euh, voilà donc les contrats plifs et puis après on a créé donc euh, deux chantiers d'insertion en couture et en en décor, mmh. et euh, ça a évolué, tous les chantiers ont été réunis par la communauté de communes, donc à Ancenis, pour former Loire Initiative, mmh. mais on travaille toujours avec eux. Mmh. Parce que je trouve que travailler avec des gens qui sont en difficulté, c'est aussi ne pas prendre la grosse tête, parce que moi j'ai toujours une chose qui est dans ma tête, c'est que on fait des spectacles, c'est vrai, mais on ne prend pas la grosse tête, on n'est mmh. pas les meilleurs. Mmh. On est simplement des gens qui vivons ensemble, je dis bien vivons ensemble, mmh. avec euh, dans le spectacle, avec des gens qui ont des problèmes c'est vrai ça permet d'être à l'écoute des gens qui ont peut-être moins de problèmes donc mmh. cette mixité permet donc à chacun d'être fier de faire ce qu'il fait pour moi, c'est ça le spectacle. C'est d'abord ouais. donner de la fierté aux autres. Mmh, c'est beau, avec une, un objectif aussi pédagogique. Bah ben oui, parce que ça, c'est une déformation professionnelle. Quand on a été enseignant, on a envie de. Ben oui. Ah oui. toujours de transmettre. C'est toujours de... resté. Hein. Ah oui, oui, ça c'est un délice. Mmh, mmh. Donc, euh, on travaille beaucoup avec les scolaires. Par exemple, le pays d'Anseni, la communauté de communes, chaque année achète une soirée pour les élèves de troisième, puisque mmh. le thème que nous avons sur euh, la Seconde Guerre mondiale et la résistance. Est au programme de la classe de 3e, mmh. c'est au programme de la classe de CM2, c'est le programme de la classe de 1 aussi. Mais là, la communauté de communes achète une soirée pour tous ses élèves de 3e. Et Erd et Jeff, plutôt, à côté, donc, fait la même chose. Et ça, c'est très important. C'est une valeur qu'ils transmettent aux jeunes à travers le spectacle. Mmh. Oui, parce qu'en plus il y a des messages qui passent dans tous ces spectacles. Je me souviens d'avoir été donc, dans le spectacle La Nuit Liberté et à la fin euh, tout le monde se lève, tout le monde se lève pour chanter ensemble. Il y a, il y a une émotion qui passe, les acteurs, euh, les spectateurs, euh, c'est quelque chose de magnifique. Alors ils chantent quoi ces, ces gens-là dans les gradins, tous debout En bah, communion. Euh, ils chantent, ils chantent Verdi, quoi, Le Cœur des Esclaves, le mot Liberté. Donc euh, voilà. Oui. C'est un grand moment pour vous. Ça, on a le cœur qui bat, oui. oui. Et, et dans le gradin, il y, y a le cœur qui bat, il y, y a les yeux qui se mouillent. Oui, aussi. Et voilà. Et ça, c'est du bonheur. Mmh. Alors, il y a l'objectif aussi économique. Euh, oui. Et touristique. Et touristique, c'est-à-dire que nous sommes dans une zone très rurale, et cette zone-là, pour, pour attirer les gens, c'est pas évident. Euh, Certains, certains diraient que c'est la zone du nord-est de la Loire Atlantique, comme au Brésil, vous savez, le nord-est. Mmh. Un peu abandonné. Un peu abandonné, voilà. Mmh. Donc euh, c'est vrai, il y a des vaches, il y a des champs, il y a des, un mmh. peu de forêt, il y a des étangs. Et donc euh, bah, je me suis mis dans la tête qu'il fallait dynamiser cette, euh, cette zone-là. Et donc euh, par rapport à ça, on a créé deux activités. Une qui s'appelle... Les guinguettes des bords de l'herbe, donc sur les bords des communes qui sont là, donc communes de Jouy-sur-Herbe, Trans-sur-Herbe, Riaillé, Bonneuve, saint marle -Ajaye. Ça consiste en quoi Poser donc un, un grand barnum et amener un orchestre pour faire danser les gens gratuitement. Quoi. Et c'est vous qui organisez tout ça On a créé une nouvelle association. Encore euh, Oui, qui s'appelle Sève. Sève, mmh. donc une association donc dont le but est et de dynamiser cette euh, haute vallée de l'herbe. Et puis à côté, donc, on a créé aussi, euh, malheureusement l'an dernier, ça n'a pas pu avoir lieu, mais donc j'espère que cette année, ça pourra redémarrer. Ça s'appelle Herdre Auto Vélo Vintage. Et donc, avec des voitures anciennes, des vélos anciens, on peut parcourir toute cette zone sur le bord de l'herbe et découvrir, découvrir des producteurs, découvrir du patrimoine et puis en même temps vivre ensemble. Et... Le défi technique, ça a été important. C'est important avec des, des, des vidéos projections sur des écrans énormes. Un mmh. travail d'archives aussi, euh, changement de décor à vue, euh, coucher, les changements de décor, coucher, glissant. Il y a un metteur en scène. Il y a, il y a, il y a aussi l'importance de la musique qui chante qui, l'émotion, qui chante, qui, euh, qui chante le, le suspense, la fête, la mort, le frisson. Le, les costumes, il y a les costumes, il y a la guinguette, il y a tout un ensemble. Ouais. Je suis particulièrement sensible à, à la musique. Bon, je ne l'ai peut-être pas dit, mais j'ai eu la chance de toujours créer dans ma tête ces spectacles. Ces spectacles, en réalité, ils tournent en boucle très longtemps. Très, très longtemps donc il y a des images qui il tourne qui, la qui, nuit chez vous dans votre tête <laughs> il tourne toujours il tourne toujours donc ça c'est une chose importante pour moi puis deuxième chose importante c'est la musique parce que je fais partie depuis une trentaine d'années de musique et danse en loire atlantique qui est une association qui dépend du conseil départemental et pour moi la musique c'est transmettre des émotions ouais. sur Radio Fidélité, avec un passeur d'histoire et un bâtisseur de spectacle, Michel Monnier. On arrive presque au terme de, de cette, cette émission. Il y, a, il y a le défi humain, que je pense qu'il est le plus important pour vous. C'est-à-dire, il y a aussi l'histoire du passé, avec, vous avez entendu des survivants de, 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 la, de la guerre, la dernière guerre. Euh, est-ce que dans votre tête, le, le peuple doit connaître son passé pour que la mémoire n'oublie jamais C'est ça Ça, on résume. Tout exactement, exactement. En réalité, le passé prépare l'avenir. Donc, oui. euh, il faut en être fier de notre passé, même s'il y a eu des, il y a eu forcément des choses qui ne sont pas, ne sont pas à, à garder en mémoire. Mais il faut, même à travers le dernier spectacle, je pense qu'il faut faire réfléchir les gens. Et vous croyez qu'il est vite oublié le passé Très vite, parce que là, on est dans une génération euh, où l'information va très vite. Elle va très vite. Elle va très très vite. Alors que dans le passé, il fallait beaucoup de temps pour euh, faire passer l'information. Et je pense qu'à travers le spectacle, on essaie de de remettre en de remettre en scène des choses qui normalement ne doivent pas s'oublier. Je pense que dans le dernier spectacle, dans la nuit liberté, il y a il y a une, un thème qui est développé, c'est le thème de la déportation. Oui. C'est en réalité une scène qui fait beaucoup réfléchir. Beaucoup, beaucoup réfléchir. On ne s'imagine pas ce qui a pu se passer. Et donc, euh, en, re, en refaisant cette scène-là, euh, je crois qu'on a donné le maximum de l'émotion qu'on pouvait donner. Et on a laissé dans les têtes des, des choses qui peuvent, euh, qui peuvent soit ne pas germer, mais qui peuvent germer et, et qui peuvent faire réfléchir. Mmh. Michel. Euh... Est-ce que vous croyez que le mot liberté égalité fraternité ça a encore un sens actuellement Ah oh oui. oui. Oh oui. oui. Euh, pas de problème. Et les, les valeurs. Si on a des valeurs, je crois qu'on va loin. Et euh, je vois dans notre association, on a quatre cent adhérents à l'association. Ils sont fiers de ces valeurs qu'ils transmettent. Mmh. Voilà. Et ça, euh, je pense que on doit s'y attacher. Et je crois que quand on avance en âge, c'est là qu'on découvre que une vie basée sur des valeurs, ça a de l'importance. Mmh. Dites-moi si vous aviez un message à faire passer aux jeunes, qu'est-ce que vous diriez C'est difficile, c'est difficile, mais je pense qu'il y a un premier message, c'est croire en l'autre, croire en l'autre. C'est-à-dire qu'il faut sortir de son individualisme. Il faut, se, il faut partager les choses. Le partage est important, très important. Mmh. Et c'est pour cela, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, qu'on a créé avec les anciens élèves une association qui s'appelle Solidaire. cest Solidaire est une association qui fait des missions humanitaires sur, euh, à l'étranger, toujours dans le domaine scolaire. Ça, c'est important. On est, on est des bâtisseurs, des bâtisseurs de scolaires mmh. dans des pays en voie de développement. La le dernière mission qu'on a faite, on a fait d'ailleurs trois missions en Équateur, en, en Amazonie pour construire une cantine pour en bon Amazonie c'est ouais. pas rien c'est pas rien. rien oui on est allé sur le Brésil on est allé sur le Vietnam on est allé sur le Burkina on est allé mmh. à Madagascar et là actuellement je prépare une mission avec le lycée de Talensac à Nantes pour les BTS et qui finance tout ça ah ben bah, ils se débrouillent faut faut trouver de l'argent ah ils se débrouillent ah bah oui bah oui on va pas demander aux administrations bah on va pas... mais non, non Mais ils se débrouillent comment ben, on fait toutes sortes de choses, on fait des lotos, on fait toutes sortes de choses euh, mmh. pour euh, des ventes, euh, voilà, pour euh, avoir une cagnotte qui nous permette ensuite. Et puis on, on donne de l'argent à cette association, on place de l'argent dans cette association. Mmh. Mmh. Et, et quels sont vos projets là, là, on a un projet sur le Pérou, parce que j'ai un ancien élève donc euh, qui a créé une agence euh, à Clisson sur le Pérou, il est marié avec une péruvienne, donc mmh. on va partir sur le Pérou, et une autre, une autre mission qui serait sur l'Inde. Mmh. Comme je vous disais tout à l'heure, euh, je travaille avec le lycée de Talensac sur une mission, sur, avec des BTS sur Madagascar. Pour, bon. continuer, pour créer donc un collège dans un bidonville. Oui, euh, donc il y a une information, une dernière information, euh, quelque chose de, de, de <laughs> magnifique, la récompense, on peut dire, avec France 3. Exactement, oui, parce que euh, l'an dernier, on n'a pas pu faire le spectacle, puisque à cause du Covid, mais euh, France 3 a décidé donc euh, de faire... Euh, une présentation de l'association et du spectacle. Mmh. Euh, ça s'appellera Les Passeurs de l'Erdre. C'était tourné donc, euh, à la fin du mois d'août, début septembre. Ouais. Et ce sera diffusé donc, le lundi euh, 3 mai sur France 3. C'est beau. Et donc euh, déjà, on va partir avec les auditeurs. On va partir très très loin. On va faire la fête dans ce spectacle, euh, dans la nuit euh, Liberté, et, et près de ce vieux pont également romain. Hein, on, va, on va danser au village. On va danser au village, on va danser, danser, danser la liberté. Michel, pour vous remercier, vous le, le bâtisseur des spectacles. Et le passeur d'histoire, je, je vous offre ce, ce beau livre, La Résistance, les combattants de Londres. Merci. C'est très gentil, merci. très très gentil. Merci de m'avoir invité.